Il y a un truc simple pour tous les abonnés à Daniel. Va fan culo. Sei morto Giovanni, ma che cazzo? Buongiorno, mi chiamo Daniele, ho 19 anni. È morto. Avec Buona giornata. Buona giornata. C'est bon, arrête. Passe à autre chose. Buona giornata. C'est bon. Oh Giovanni, tu m'as écrit ce commentaire, j'étais en pleine vidéo là. Donc tu repasses sur ma vidéo pour la deuxième fois. Voilà, dédicace à Giovanni. Bon les gars, je crois qu'il est temps de faire l'intro. Buongiorno a tutti, oggi parlerò. Frère, je suis déjà dans la merde. Mais t'inquiète, on est là. Aujourd'hui, il faut que j'apprenne l'italien. J'ai 4 jours pour apprendre bien l'italien. Parce que samedi, j'ai quoi? J'ai un examen d'italien. Déjà, il coûte de l'argent, ce bâtard. Et déjà, il est long. Je commence à 8h du matin, je finis l'après-midi. Samedi en plus, bande de bâtards. Enfin bref les amis, aujourd'hui on doit pratiquer un petit peu italien. J'ai des bases en italien parce que j'ai fait quelques temps d'italien à l'école. Mais tu sais très bien qu'à l'école on apprend presque rien, tu vois. Genre là en plus samedi, ces bâtards ils vont me mettre un examen dont je ne peux pas réviser. Parce que je peux tomber sur le thème de la religion, tout comme sur le thème du sport, tu vois. Sur un truc que j'ai jamais vu de ma vie, je vais devoir improviser. J'ai une partie écrite. En gros, compréhension orale, compréhension écrite, rédaction, dissertation, il y a trop de choses frérot et voilà on est là. Je vais vous montrer mes bases, je suis vraiment éclaté. Non, j'ai une bonne moyenne d'italien. Mais voilà, que les italiens ne me crachent pas dessus. Perché ma che cazzo va fanculo si vous me crachez dessus, ok? Scusi. Buongiorno, mi chiamo Daniele, ho 19 anni e sono di Ginevra. Sono di... Ouais, ça fait longtemps que je parle pas italien là, c'est quoi ce bordel? Sono spagnolo e colombiano, si. Et si. Putain de merde, je suis pas dans la merde. Pourquoi j'ai pris un accent? Je suis un enculé moi aussi. Si, devo praticare perché tra in 5 giorni ho un esame d'italiano. Et devo mangiare pizza. Putain, je dis des clichés. Bref, aujourd'hui du coup j'ai un niveau pas ouf, mais on est là. On va pratiquer, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des fiches de révision. Ils vont me dire, mais comment tu vas réviser alors qu'on t'a pas donné les thèmes à réviser? Ouais, j'avoue. Son nom stronzo. Bien sûr, on m'a peut-être pas donné les thèmes, mais faut que j'apprenne quand même à utiliser le futur, le conditionnel, tu sais, comme dans la vie de tous les jours. Comme je suis en train de vous parler, j'improvise. Alors si tu me dis, ok, maintenant on parle du football. Man, non, nessun problema, eh. Il calcio è il mio sport preferito. Perché mi piace molto giocare a calcio con i miei amici e anche sono un... Bah, sinon ça va les gars. Bon, pour commencer les gars, ce qu'on va faire pour commencer, on va mettre mes lunettes parce que ça me rajoute 100 de QI. Voilà, putain, 2x2, 4. Putain, je suis chaud, la vie de ma mère, je suis chaud. Bref, maintenant ce qu'on va faire, on va aller sur le site internet de l'examen. Voir ce qu'il y a dans l'examen. Genre non, pas les réponses, genre compréhension de texte, je sais pas quoi. Et on va voir s'il y a des exemples, comme ça je vais pouvoir m'entraîner. Ah, j'ai reçu un message. Oh yes, un date. Non mais c'est faux, complètement faux. Et non è una ragazza, ma che cazzo, non è una ragazza, è un amico. No, è un amico, è Giovanni. Ah, lui parla italiano, va l'envoyer un message. Buongiorno, Giovanni, come stai? Sono Daniele. Daniele, sì, non Dani, Daniele. E devo, e sto facendo un video per YouTube, il video è putain, je commence à parler espagnol, è che devo praticare italiano e voglio che puoi dire qualcosa in italiano per favore. Devo praticare italiano con Giovanni, italiano, sì. Di lì, il puto esame, putana. No, faut que j'arrête de dire des gros mots, frérot. Je vais me faire strike. Di lì B1 perché il B2 è difficile per me. Perché non sono un italiano, sono spagnolo. Tempo richiesto per la preparazione. Diploma interno di lingua italiana. Firenze, sì, Firenze. In Toscana, la Toscana, sì. Tempo richiesto per la preparazione. 2:40. Quoi? Fallait que j'ai 3 pour être apte à faire ce putain d'examen. Fallait que j'ai 240 et 300 heures de préparation. Et là, on part du principe où on a 5 jours. Mais les calculs sont pas bons. Durata l'esame, tempo 3 ore e 20 minuti. Ok, 3 ore d'écrit e 20 minuti. Ok. 2 volte all'anno. Livello secondo del portfolio europeo delle lingue. B1. Ah, ok. Comprensione scritta. Testo giornalistico fra 350 e 500. Ci abbiamo passato di questa parola con 5 domande a scelta multipla. Quali alternative? Ma che cazzo? Testo letterario.
Fra 350 e 500 parole con 5 domande ascolta multiplia. Ma che cazzo è? Produzione scritta, tempo 70. Ma che cazzo, non posso. Vas-y, je pète un plomb, frère. Faut que je parle avec les mains, voilà. Là, faut que je parle les mains. Regarde, compétence, morfologie, je parle albanais maintenant. Compétence, mono, ok. Frasi, ma che cazzo. Ah, putain de merde, j'ai oublié qu'il y a un oral aussi. Conversazione recitata con quattro domande. Vero o falso? Ah non, breve presentazione. Ok, on va commencer par là. Breve presentazione, on va se présenter. Ok, on a un autre entier. Bonjour, come stai? Sì, benissimo. Ah, come mi chiamo? Mi chiamo Daniele, e tu? Come ti chiami? Ti chiami Giovanni? Quanti anni hai? Ah, sì, bene, ho 19 anni. E sono di Ginevra, sì, qui in Svizzera. Sì, mi piace molto l'italiano. Perché è una bella lingua, eh? Sì. Sì, ho visitato in Toscana Firenze, la Torre di Pisa, no. Sì, scusi, non parlo bene italiano. Sì, mi piace molto giocare a calcio, fare video per il mio canale YouTube. Ma putain, je mélange l'espagnol, mais c'est pas grave. Deuxième truc, immagine con breve testo comune da commentare. Ok, alors on va prendre une image au bol, putain. On va prendre une image au bol. Je sais pas, j'ai pas d'image. On va prendre ceux du permis de conduire. Hein. Au bol. Cette image là. Benissimo, qui possiamo vedere due macchine. La macchina Gella, je sais plus comment dire. Girare. Non, putain, je confonds avec tout. Ah, sinistra, si, sinistra. E la macchina bianca. Vuole. Ah, la vie de ma mère, c'est chaud. Les gars, c'est la merde. Hein. Mais non, faut rester confiant. On prend une autre image, celle-là était un peu bizarre. Putain, avec des voitures aussi, je me disais, c'est le permis de conduire, frère. Là, y'a pas une image. Ah, Giovanni m'a répondu. Roleplay, RP, ça je connais sur GTA. Roleplay, on va dire que je suis un vendeur de... Non, pas des trucs qui sont interdits par la loi. J'ai un truc simple pour tous les abonnés à Daniel. Va faire un cool. Oh, bâtard. Eh, sei morto, Giovanni, ma che cazzo. Eh, vuoi... Sei morto, Giovanni da merda. Stronzo, Giovanni sei un stronzo. Un cattivo stronzo. No, sono la polizia e sono anche un giovane. Buongiorno, signore. Buongiorno, come stai? No, non sto bene perché un ragazzo è morto. Ok, ma che fa? Come è morto il giovane? Non lo so, è morto con... dove è morto? È morto... È morto nella scuola, eh? Benissimo. Grazie mille. C'est vraiment le pire RP de merde. Et je crois que non, c'est vraiment le pire RP de merde. Non c'è di che, je vous en prie. Non c'è di che. Buona giornata. C'est bon, arrête. Passe à autre chose. Buona giornata. C'est bon. Buonanotte. Buonanotte. Ma che cazzo, sì, buonanotte. Sono stanco. Buonanotte. Sì, buonanotte, grazie mille. Buonanotte. Buona, ma che cazzo è? Cacca. Arrivederci. Sì. Arrivederci. Mi ha fatto piacere incontrarti. C'est padre, le père. Mio padre si chiama Henri Dunant. Padre. Marito. Moglie. Moglie, la femme. È mia moglie, sì. Moglie. Bambino. L'enfant. Bambina, l'enfant femminile. Dottore, médecin. Dottore. Poliziotto. Uomo d'affari. Studente. Sto cercando lavoro. Je cherche un emploi. Chiami? Come ti chiami? Mi chiamo Daniele. Piacere di conoscerla. Enchanté. Conoscerla. Da dove venite? Vous venez d'où? Da dove venite? Vengo dagli Stati Uniti. Vengo di Spagna. Di Svizzera. Dove vive?
Vivo negli Stati Uniti. On fait une coupure et on revient demain pour voir si j'ai appris d'autres choses. Ti trovi bene qui? Si, sono bene qui, ma che cazzo è? Ti trovi bene qui? Ciao a tutti, oggi siamo il 9 di giugno 2021. Fra tre giorni è il giorno dell'esame. Et comme dire, c'est un désastre. Hier, j'ai pas filmé parce que hier, j'ai pas révisé, bien évidemment. Au lieu de réviser, j'ai décidé de sortir faire du basket avec des potes. Bien évidemment que c'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Non, c'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai un petit peu taffé. Cet après-midi, un pote qui est venu chez moi. On a bien sûr pas taffé l'italien, on a fait plutôt de la musique à la place. Mais aujourd'hui, ce soir-là, il est 21h, j'attends Claudio parce qu'ensuite, je vais aller bien évidemment jouer un peu au PC avec Claudio. Tu vois, je suis pas vraiment un bon étudiant, on va dire, ces temps-ci. Hein. Mais là, j'ai bien avancé, j'ai fait des feuilles de révision sur les temps de verbes comme le futur, le conditionnel, le subjonctif, présent, imparfait. Tous les temps, tu vois ce que je veux dire, tous les temps qu'on doit utiliser. J'ai également fait des feuilles de révision, comment je vais me présenter. En gros, là-bas, je vais arriver, on va me poser des questions avec un dialogue avec quelqu'un d'inconnu. Et ensuite, je vais lâcher toutes les informations. Je vais devoir parler 6 minutes, c'est parler. 6 minutes pour se présenter. Donc 6 minutes, on peut croire que c'est pas long. Mais quand t'as pas beaucoup de choses à dire, c'est long. Donc là, autant remplir les bails. Là, ce soir, je pense que je vais pas vraiment taffer. Je vais essayer d'écouter entre aujourd'hui, demain et vendredi. Tu sais, des conversations d'italien. Genre une heure d'un film ou genre de deux Italiens qui discutent entre eux pour voir comment un petit peu pour prendre l'oreille, tu vois ce que je veux dire. L'italien non è una lingua difficile per me perché parlo un po' parlo spagnolo e più o meno facile. Non è facile perché non è come lo spagnolo. E devo praticare, devo parlare tutti i giorni con gli amici, ma non ho molti amici che parlano italiano tutti i giorni. Voglio un giorno andare a viaggiare in Italia. Sono stato un giorno, no, tre giorni a Firenze, nella regione della Toscana. Era bellissimo, mi è piaciuto molto. Mi piacerebbe andare a Roma o Milano. No, Roma mi piacerebbe molto. Non so, je ne sais pas si, du coup je vais revenir au français, je ne sais pas si je vais filmer demain, réviser, parce que ces temps-ci en soi je fais que d'écrire et je sais pas comment pratiquer, mais voilà, j'ai un peu pratiqué aujourd'hui. Je sais pas si j'ai dit des trucs justes, ça c'est les Italiens qui vont me juger. Mais voilà, on est là, je pense, et on fera ce qu'on peut samedi, on fera ce qu'on peut. J'ai rendez-vous à 8h, ça pique. Du coup, je dois partir de chez moi à 7h moins quart, parce que j'habite pas à côté. Devo fare un po' di montaggio, je sais pas si on dit comme ça, un peu de montage. Perché devo pubblicare dei video per YouTube.